Et tu mets seulement, bon, tout ce que tu n'y as pas, tu mets seulement, on va mettre ça. Mon Dieu, mais tu Ok, ok. Les gars. Non, laisse mon chef. Ne mets seulement les regards. Non, je n'ai pas vu ça. Non, je n'ai pas vu. C'est que ça. Non, c'est que ça, tu vas seulement mettre à part. Je n'ai pas vu. Bon, ouais, ça va. Conseil à ça, ça veut dire ça, il y a les regards qu'on n'a pas mis. C'est bon, non? Il reste combien? 500 combien? Non, pas seulement du mal à la main. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tu sais que moi, j'ai dit que nos parents, là, n'est-ce pas? Non, regarde, je vais te dire, n'est-ce pas? C'est un père qui nous donne. Regarde, c'est un papa qui nous donne les marchés. Tu vois un peu, non? Ça, c'est ce que moi, je dis. Bonsoir. C'est un papa qui nous donne les marchés, hein? Bonsoir. J'espère que vous allez bien. D'accord, ok. On va. Oui, il faut que tu d'abord la main. Oui. Voilà. Non, explique. Et non, on va expliquer mon combat. Oui, expliquons seulement la main doucement. Après, on va. Bonsoir. Je sais. Est-ce que tu me dis quoi? Non, je sais, il fallait redresser les murs. Non, c'est pas jour live. Non, Jérôme. On va commencer. Accompagne-le. Pose avec la main après, on cause. Aujourd'hui, je vais m'adresser à notre jeune sœur. Non, j'ai avec la main. Nicole Kéti. Bonsoir Black Beauty, bonsoir ma chérie, j'espère que tu vas bien. Je vais bien maman, je vais très bien. Merci. Pardon, pipez-moi Nicole. D'accord, ça marche. Je vais parler un peu à notre jeune soeur. Merci, toi également Black Beauty. Merci. Nous allons parler ce soir à notre jeune sœur Nicole Kéti. Et je parlerai ce soir, je ne reviendrai plus là-dessus. Je vais parler ce soir pour ne plus revenir là-dessus. Parce que je n'aime pas m'attarder sur un même souci. Non. Quand il y a quelque chose, si je parle deux fois, je passe à autre chose. Je ne peux pas rester à parler des mêmes choses. Donc je parlerai à notre jeune sœur Nicole Kéti ce soir. Ok? Et je parle de ça pourquoi? Parce que c'est live qu'elle fait ces derniers temps. Elle m'interpelle dans ce live. Elle m'interpelle. C'est pourquoi j'ai décidé. Je parlerai, je ne sais pas combien de minutes. Non, c'est comme si c'est bizarre. Le boss va résister parce que presque depuis le matin, on a coupure. Ok, il y a coupure d'électricité. Je ne sais pas combien d'heures le boss peut résister avant que la batterie ne s'éteigne. Donc, partagez rapidement à 500 personnes connectées. Je commencerai à parler à notre jeune sœur Nicole Kéti.
Donc, est-ce que quelqu'un peut me biper Nicole Ketcha? Je veux qu'elle soit dans le live pour que je lui parle. On dit souvent que la sœur de quelqu'un, ce n'est pas une personne avec qui tu es né dans le même ventre. On dit souvent que la mère de quelqu'un n'est pas toujours la personne avec qui vous êtes né dans le même ventre. Nicole a toujours dit que j'ai l'âge de sa maman. Aujourd'hui, je vais me positionner comme une maman pour elle. Et je vais lui parler. Je parlerai à Nicole. J'espère que pour cette fois-ci, elle va comprendre ce que j'aurai à lui dire. Et je vais lui parler à cœur ouvert. Donc, partagez massivement le live. Voilà. Partagez les gens qui viennent là avec les procès. Vraiment, je risque de vous bloquer. Les gens qui viennent avec les procès. J'ai pas le temps pour ça ce soir, ok? C'est que j'avais déjà programmé, m'a tellement interpellé que je suis obligé de faire une sortie. Je n'avais pas prévu ça. Vraiment, je veux moi-même d'abord prendre le temps pour moi. J'ai besoin de me reposer moi-même. Je n'ai plus le temps de venir à Facebook tous les jours, crier. Pour les conneries qui ne me rapportent rien. Ok? Pour les fictivités qui ne me rapportent rien dans ma vie. Je n'ai plus ce temps-là. J'ai temps pour autre chose. J'ai le temps d'autre chose actuellement. Donc vraiment, je veux parler à cette jeune petite sœur. Je vais m'adresser à elle. Donc continuez à partager et à 500 personnes connectées, nous allons commencer le live. Moi-même, je vais d'abord partager. Je vais faire moi-même les tours de partage pour que les gens sachent que nous sommes en live. Sinon, le live ne va pas bien se passer. Donc, c'est ça. Partagez rapidement. Faites monter rapidement en visibilité. Voilà. On va parler ce soir. Je parle parce qu'elle ne fait que m'interpeller dans ce live. M'interpelle dans ce live. Mon frère, il me confie que je suis. Non, c'est que je veux beaucoup d'argent. Mais après, moi, on aura un problème. C'est ça, les tirs de problème. Oui, il faut pas. C'est qu'après, on aura un problème. Dis que non. Il y a un live de Bertrand Chic Saumon que j'ai suivi avant-hier. Là où enfin, après près de 2 ans de clash, il rétablit la vérité et il dit exactement ce qui s'était passé pour que Nicole Ketcha s'attaque à moi. Et il a laissé ce mensonge prospérer parce que ça l'arrangeait, parce qu'il voulait monter en visibilité. Quand il a dit ça dans son live, vraiment j'ai été choqué. J'ai été choqué parce que, à cause de cette histoire, toute ma famille a été traînée sur Facebook. Jusqu'au corps de ma maman, a été traînée dans les réseaux sociaux. Pour quelque chose que je ne connaissais pas. Plus de 2 ans après, plus d'un an et demi après, il décide de rétablir la vérité. Voilà. Il a expliqué. J'espère que vous avez suivi le même live. Voilà. Quand il m'a vu dans son live, il a pris le temps d'expliquer exactement ce qui s'était passé. Et j'ai été très choqué. Je ne peux pas vous mentir. J'ai été très, 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 très choqué. Voilà. Et quand il y a un mec qui a emmené ce gars-là. J'ai été choqué d'attendre ce 12 août-là. C'est rien qui oppose le mien qui a emmené ce genre de gens pour aller le plus à faire ça. À payer.
Je me rappelle même plus de quel live c'est. C'est Romain qui a passé la commande de l'État. Je me rappelle plus vraiment de quel live c'est. Je la dépenser. Dans son compte de l'argent. Je me rappelle plus vraiment de quel live c'est. Mais dans ce live, ce gars reconnaît toute la manigance qu'il avait fait, qui m'a valu tout ce que j'ai vécu sur Facebook. Il reconnaît qu'il avait posé avec un de ses followers qui était au deuil de ma maman et qui lui avait dit que la maman de Nicole était au deuil. Il lui a raconté les énormités. Il est venu sur Facebook relayer ce que un de ses followers qui était à mon deuil lui avait dit. Ok? Et Nicole Ketch à l'époque a récupéré ça et a menti à mon obligation que c'est moi qui avais dit ça à Bertrand Chicksomo. Alors que Bertrand lui-même reconnaît dans le live qu'à l'époque je ne le connaissais même pas. À l'époque je ne connaissais même pas qu'il y avait un gars sur la toile qu'on appelait Bertrand Chicksomo. Donc à cause de sa manipulation, juste pour avoir la visibilité, les vues, il est venu avec une histoire qui m'a coûté ce que j'ai vécu dans les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, plus d'un an et demi après, il reconnaît. Et il part jusqu'à dire que Nicole Ketcha ne vérifie pas souvent ses informations avant de prendre position. Ok? Voilà. Et dans le live, il y a quelqu'un qui avait dit que non, à l'époque, tu avais dit que c'est un voisin de la maman de Ketcha. Mais dans le live d'avant, j'ai dit plutôt que c'est une personne, une personne qui était à mon deuil, qui lui a donné ce fax-là. Bref, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et moi, je dormais. C'est Ndolé Miondo qui vient me réveiller au matin. Elle vient me dire que voilà Dorcas, ton nom est partout sur Facebook avec Nicole Ketcha, elle a été insultée de partout et tout et tout et tout. Donc, ma question que je vais poser, et puis il y a des gens qui passent leur temps à dire que j'ai suivi Nicole Ketcha, elle dit Dorcas, c'est toi qui avais amené ma mère sur Facebook. Viens parler l'affaire ici. Si un jour tu aimais ma mère. Bonjour Sissi Kador. Comment tu vas? Bonjour à toi. Elle dit que donc, si un jour tu aimais ma mère, viens parler l'affaire ici. Voilà, moi je vais venir parler, je vais te parler. Quand tu dis premièrement, je veux que si tu m'interpelles dans tes choses. Olivier Tété, comment tu vas, mon ami adoré? Je te clore les bisous depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Le live est sponsorisé par la gamme Self Beauty. Ok, la gamme de la gamme au-dessus des gammes. Voilà la gamme. La gamme. Vous avez vu mes ongles, j'étais à Self Beauty l'autre jour. Regardez. Je ne les ai pas fait longs. J'ai fait ça bien court cette fois-ci, mais c'est la pose avec gel. Hein. Vous avez vu. Vous avez vu, voilà le résultat. C'est très beau. Vous avez vu mes ongles. Pose avec gel. C'est très beau. Voilà, je voulais designer plus que ça, mais mon mari m'appelait tellement. Bonsoir Kenzo. Mon mari m'appelait tellement. Donc c'est ça. Voilà. Et mes pieds alors, mes pieds sont très beaux. Je vais filmer mes pieds après. Je vends toujours les vivres. Je vends toujours les macabos. Je vends le maïs. Je vends le foufou. Comme vous connaissez. Je suis toujours dans ça. Ok? Je livre partout là où vous voulez qu'on livre. Et merci pour tous ceux qui ne font que commander. Aujourd'hui, j'ai reçu combien 5 commandes. Je dis déjà merci. Continuez à commander. Et n'oubliez pas notre gamme. Allez au magasin Servici situé en face de l'église presbytérienne de Nkomondo. Ok? Voilà. En face de l'église, ils ont les parfums. Qui vraiment des parfums à 5000 francs. Qui sont très bien en fait. Dans la gamme Serbuti, il y a la gamme caramel qui est disponible, qui est à 25 000 francs. Et il y a la gamme métissée qui est là. La gamme métissée
qui est à 40 000, mais quand vous partez avec mon code de promo, donc à 237, vous avez une réduction de 5 000 francs. Donc la gamme vous revient à 35 000. Voilà. Merci de liker la vidéo, merci de partager. On va commencer le live sans plus attendre. Voilà. Je déclare les bisous, ma belle sœur Euro Coquise. Merci d'être dans le live. Merci de toujours m'aimer. Merci d'être avec moi, moi la femme de ton frère que je suis. Merci à toi. Bon, je vais commencer par dire d'abord à notre jeune sœur Nicole Kétia que j'aimerais que si elle veut m'interpeller dans ce live, qu'elle parte d'abord sur la base de la vérité. Parce que si tu m'interpelles dans tes lives et tu mens, ça me dérange en fait. Ça me dérange. Et quand je vais venir parler, je ne sais pas ce que je peux dire. Parce que primo, quand tu dis dans ton live que c'est moi qui ai amené ta maman sur Facebook, mensonge. Je n'étais pas la première personne à amener ta maman sur Facebook, ok? La première personne qui amène ta maman sur Facebook, c'est toi-même, Nicole. Tu prends ta maman, tu amènes chez Compressor. La première fois que ta mère atterrit sur Facebook, ok? Quand tu dis la vérité t'a franchi. La première fois que ta maman atterrit sur Facebook, je veux que tu dises cette vérité-là. C'est toi qui amènes ta maman sur Facebook au canal de Compressor. La première fois que ta maman parle sur Facebook, ta maman fait une sortie fracassante là où elle me clash chez Compressor en complicité de Lily Delatour. Je ne dirais pas Flore de Lille. Parce que le moment là, Flore de Lille était neutre. Mais c'est Compressor et Lily Delatour qui t'encouragent à venir avec ta maman sur Facebook. Elle passe pour la première fois dans le live de Compressor, là où elle me clash. Avant ce jour, ta maman n'avait jamais apparu à Facebook. Donc si tu peux reconnaître déjà cette vérité-là, on peut déjà partir de là. Mais si tu veux prospérer dans le mensonge, je ne peux pas être dans ton couloir avec le mensonge. Je veux que déjà que tu dises la vérité. Que c'est toi-même qui amène ta maman pour la première fois à Facebook, au canal de Flore au canal de Compressor et de Lily Delatour. Je veux que Lily Delatour vienne rétablir cette vérité. Et après, quand ta maman est passée dans Facebook, j'ai fait un live là où j'étais dit ceci. Nico Kétia, l'erreur fatale que tu as commis, après toutes les bêtises que tu peux faire sur Facebook, l'erreur fatale que tu as commis, c'est de faire venir ta maman parler sur Facebook. C'est de mettre après moi, comme tu étais en train de dire que oh, tu avais mis ta mère en contact avec moi. Ça ne t'a pas servi de leçon. Après moi, l'erreur fatale que tu as commis, tu as porté ta maman, tu es venu livrer à Facebook. La personne qui porte ta maman pour amener à Facebook, c'est toi. Ce n'est jamais quelqu'un d'autre. C'est toi-même. Et tu pars jusqu'à, tu donnes le numéro de téléphone de ta maman aux gens à Facebook. Je t'avais dit ce jour que quoi? Que l'erreur que tu avais commis, c'est de mettre ta maman en contact avec tout Facebook. Tu donnes le numéro de ta maman à Compressor, tu donnes le numéro de ta maman à Lily Delatour, tu donnes le numéro de ta maman à Flore de Lille. Connaissant ta maman qu'elle n'a pas la bouche fermée, elle a commencé à envoyer les voices à Flore de Lille. Ok? La première personne qui vient avec l'histoire de Matela sur Facebook, c'est Flore de Lille qui fait écouter l'audio de ta maman. Là où ta maman dit qu'elle n'a pas de matelas, elle dort au sol. Pourquoi tu as peur de reconnaître ça? Pourquoi tu as peur de reconnaître tes erreurs? L'histoire de Matela, je ne suis jamais venu dire sur Facebook que ta maman n'avait pas de Matela. La personne qui vient percer cet aspect sur Facebook et te livre à tout Facebook que ta maman dort au sol, c'est Flore de Lille. Ce n'est pas elle qui a dit. On m'a dit que non, elle a menti. Non, elle a fait écouter le voice de ta maman. Merci Christian de Monaco. Merci au moins de reconnaître cette vérité. Au moins Christian de Monaco qui est de votre camp, il reconnaît cette vérité-là.
Je veux d'abord que tu reconnaisses la vérité. Je me suis défendu avec les armes que je pouvais face à tes attaques qui étaient très violentes. Je me suis défendu avec les armes que j'avais. C'est toi qui ouvre le bal que ta maman se balade sur Facebook. C'est toi-même. Tu es responsable. Tu es la seule responsable de tout ce qui peut arriver à ta maman. Bertrand Chic Saumon est venu sur Facebook. Il a lancé une balle. Bertrand Chic n'avait jamais dit que c'est Dorcas qui m'a dit non. Bertrand Chic a dit que quelqu'un lui avait dit. Comme tu n'as pas peur de quelqu'un. Comme tu crois que tu es permis de mettre ta caméra et de t'adresser aux gens n'importe comment. Tu as pris mon nom. C'est la femme qui est au Cameroun là. Tu as mis devant. Comme tu étais allié à les abeilles le moment là. Les abeilles ont commencé à me manger avec les souris. J'ai laissé les abeilles, je me suis attaqué à toi violemment. Je t'avais donné à partir du Cameroun, je t'ai dit que tu étais donc 48 heures pour sortir et dire que ce que tu racontes, c'est les mensonges. Tu as dit que 48 heures étaient petits parce que tu avais les gens qui te touquaient, tu avais les gens qui t'encourageaient dans la bêtise. Tu as dit que 48 heures petits, que tu vas me lader, ma ladou, comme tu as l'habitude de dire, que tu vas lader les gens, tu as les voices, tu as les ceci, tu es sorti sur moi. Alors que je ne t'avais rien fait. Alors que j'étais au Cameroun, je pleurais ma maman qui venait de mourir. Je ne t'avais rien fait. Tu n'as pas eu pitié que cette femme-ci vient de perdre sa maman. Non, 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 tu n'as pas eu pitié. Parce que j'enterre ma maman en mars. Qu'est-ce qu'elle dit? Le 23 février, j'enterre ma maman. Hein? En mars, tu m'attaques violemment. Fin mars, tu m'attaques violemment en fin mars. Non, même pas en mars, en mai. Tu m'attaques quand c'était en avril, quelque chose comme ça. Tu m'attaques violemment sans avoir pitié que Dorcas vienne enterrer sa mère. Tu n'as pas eu pitié. Quelque chose que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Quelque chose que vous étiez sur la toile avec les Mbunga en train de faire vos choses. Moi, j'étais au Cameroun. Je faisais les lives, mais juste comme ça, là, je n'étais pas trop active dans Facebook. Tu t'es levé, tu t'es attaqué à moi. Quand tu t'es attaqué à moi, le lendemain, je me lève. C'est les activistes politiques qui commencent à m'envoyer les premières caricatures que vous m'avez faites. On me dit, Doka, tu peux pas te mêler à l'écrit comme ça au point de te ridiculiser jusqu'à ce niveau. On m'envoie les captures. Je décide alors que Ketcha, je vais te montrer ce qu'on ne t'a pas encore montré. Chaque fois, il me voit, il me dit Koyo. Tu comprends que. Je décide alors de te faire ça sans vaseline. Rien de fait qu'on a parlé. C'est là où j'appelle ta maman. Je dis à ta maman que voilà ta fille qui m'insulte sur Facebook. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ta fille. Je suis au Cameroun, je viens de perdre ma maman. Là, voilà qui m'insulte sur Facebook. Je ne sais pas ce que je vais. Ta maman commence à crier au téléphone que Agale nous lit à ce qu'elle marchante ici. Là. La fille là veut nous mettre les problèmes. Pourquoi? Je dis à ta maman qu'elle est en train de dire que moi, Dorcas, je t'ai dit que. Eh, on a dit que comme elle insulte les gens sur Facebook, elle va mourir dans. Où tu avais raconté que quoi à l'époque, je me rappelle. C'est là où ta mère dit que non! Qu'elle t'a dit que c'est un gars du quartier, qu'elle n'a jamais prononcé mon nom. Ta propre maman dément ce que tu racontes. Et elle me dit que, elle t'a dit que c'est un gars du quartier, qu'elle n'a jamais dit que c'est Dorcas. C'est là où j'enregistre ta maman. Comme preuve. J'enregistre ta maman le lendemain, je prends mon billet d'avion. J'atterris aux États-Unis parce que je voulais te faire ça là où mon mari ne devait pas être là en train d'entendre les cris. Il fallait que je rentre pour te faire ça. Donc pour te mettre ça là où il faut. C'est là où je rentre aux États-Unis. Je commence les hostilités avec toi. Je fais peut-être deux lives. C'est là où tu décides d'amener ta maman. Je compresseur pour que ta maman vienne m'insulter
Et elle regrette aujourd'hui. Parce que vous l'avez menti sur toute la ligne. Elle regrette aujourd'hui. Vous l'avez menti. Vous l'avez entraîné. Elle parlait, dit aux gens que j'étais moi bien avec Dorcas. J'étais bien avec ma soeur Dorcas jusqu'à. Il me porte, il pas te me mélanger sur Facebook comme ça là avec elle. Et je déplore ça jusqu'au jour. Je déplore. Parce qu'on dit souvent que, Nicole, l'éducation est bien. Tu as un sérieux problème, ma petite soeur. Tu as un sérieux problème. Ton impulsivité va te pousser là où il ne fallait pas dans la vie. Ce n'est pas tout que tu viens sur Facebook, tu vocifères. Ou un jour, ou un jour, où tu sois sans réfléchir. Quand tu entends l'autre, tu t'assois même. Parce que d'ailleurs, tu pourrais même t'asseoir. Tu dis que, ouais, Dorcas est en contact avec ma mère. Elle a les bonnes relations avec ma mère. Comment je vais venir m'attaquer à Dorcas sur Facebook? Tu pourrais même m'appeler pour me dire que, ma Dorcas, j'entends qu'il y a un truc comme ça là. Je devais te dire, mais qui a raconté les choses comme non? Comme tu avais le zèle de, d'insulter tout le monde sur Facebook, tu es monté au créneau. Tu crois que non, c'est facile que tu mettes ta caméra, tu t'attaques aux gens. Tu t'attaques aux gens tout le temps sans raison. Sans raison. Et tu es toujours en train de tourner tout autour de ta maman. Maman, tu, ta mère cherche quoi sur Facebook, Ketcha? Laisse cette maman en dehors de Facebook. Ta mère cherche quoi? Sur Facebook, tu cries le nom de ta mère tous les jours sur Facebook. Pourquoi? Pourquoi tu cries le nom de ta mère? Tu ne peux pas laisser ta maman tranquillement là où elle est. Tous les jours, tu cries le nom de ta mère sur Facebook. Pourquoi? Ma mère a dit que ma mère m'a laissé le voir. Tu crois que tu es la seule qui a la maman? Ma mère, matin, midi, soir. Ma mère, tu cries partout dans les oreilles des gens, ma mère. Hein? Il y a quoi? Il y a quoi que tu ne peux pas laisser cette maman là tranquille là où elle est? Il y a quoi? Pourquoi tu cries le nom de ta mère tous les jours sur Facebook? Donc tous les trucs qu'on publie sur ta mère là, que toute la vie de ta mère est sur Facebook tous les jours, ça ne te dit rien. 1, 2, 3, 4, ma mère. 1, 2, 3, 4, ma mère. Ma mère a dit que, oh, pour ma mère, je peux faire ceci. Tout pour ma mère, je peux faire ceci. Mais tu es sur Facebook, tu insultes les mamans des gens. Mais tu as mal qu'on insulte ta mère. Moi, je suis la mère de quelqu'un. Tu ne connais pas que j'ai les grandes filles. Ton intention, c'est que demain, il va m'embaucher. Tu as un jour pensé à ce que mes filles peuvent aussi te faire. Au nom de quoi tu crois que tu vas m'insulter? Et tu empêches les gens d'insulter ta mère. Moi, je te demande seulement. Hein. Quand toi, tu mets ta caméra, tu dis que tu vas m'insulter. Moi, je suis ton égal sur quelle base? Toi et moi, on va commencer dans quel couloir? Qu'on s'assoit comme ça, toi en Ketcha, tu prononces mon nom pour parler de moi. Hein? Si ce n'est pas les affaires de Facebook. Si ce n'est pas les affaires de Facebook. Parce que, non, je sais comment. Depuis combien d'années tu es sur Lolo? Moi, personnellement, je t'ai parlé. Je t'ai parlé, reparlé. Tu es sur elle comme si c'est elle qui avait tué quelqu'un dans ta famille. Tu n'es plus dans le game de Facebook. Tu es dans la haine. Ce que tu fais là, c'est au-delà de la sorcellerie. Excuse-moi de te dire. Lolo t'a fait quoi? Lolo a fait quoi plus pire que ce que toi tu as fait sur Facebook? Je vais te parler. Lolo a fait quoi? Tu as fait le sale sur Facebook et tu fais tous les jours le sale. Tu t'attaques aux vies des gens. Tous les jours, tu as les voix. Tu inventes sur les gens. Tu viens raconter les choses sur les gens. Et tu viens crier après qu'on a parlé de ta mère. Lolo, ce n'est pas sur ton égal. Lolo t'a fait quoi? Qu'elle a publié ta grand-mère. C'est une grand-mère qu'on n'a jamais vue. Elle a publié ta grand-mère, ça fait quoi? Si tu m'avais dit que c'est elle qui a tué ta grand-mère, j'allais dire que oui, tu as raison de t'acharner sur elle. C'est elle qui a tué ta grand-mère. C'est Lolo qui a tué ton grand-père.
Lolo a fait quoi que tu ne peux pas passer au-delà? Crée un concept et quitte derrière Lolo. Je vais te dire ce soir. Je vais te dire ce soir. Ok? Tant que tu t'attaques à Lolo, les généraux de Lolo vont s'attaquer à ta maman. Parce que là maintenant, toi tu as ouvert la porte qu'on localise ta mère à tous les coups. À tous les coups qu'on localise ta maman. Tu peux protéger ta maman en arrêtant d'insulter Lolo. Ces généraux vont quitter derrière toi. Allô? J'ai dit bonsoir à Richard Bonaké dans le live. Bonsoir à toi, grand frère. Allô? Tu peux arrêter de clasher Lolo. Ta maman aura la paix. Mais tu appelles comment? C'est simple comme bonjour. Mais tu n'es pas obligé de t'acharner sur Lolo. Ce n'est pas ton égal ni aujourd'hui, ni demain, ni après demain. Laissons les affaires qu'on parle sur Facebook. Arrête ça. Arrête ça. Tout le monde t'a demandé d'arrêter. Même ta patronne à Fleur de Lille t'a demandé d'arrêter. Nketcha, arrête de t'attaquer à Lolo. Arrête de t'attaquer à elle. Arrête de t'attaquer à elle. À un moment donné, tu dois arrêter. J'ai vu ton dernier live contre Lolo, mais tu es violente. Tu es d'une violence. À la lue, là, physiquement, ta maman sera attaquée. À la lue, là, ta maman sera attaquée. Ton dernier là où tu as où c'est quoi, où c'est la perruque jaune que tu as là, où c'est quoi. Mais ton live là, c'est très grave. À la lue là, la personne qui va payer les pots cassés, c'est ta mère. Alors, on voit. Je t'avais dit ici là que Facebook part du virtuel à la réalité. Qui derrière Lolo, crée-toi un concept. On peut faire le blocking sans clasher. Depuis janvier qu'on a dit qu'on arrête les clashs, on ne clash pas. Mais chacun a ses vues sur Facebook. Le blocking continue. Décrypte même, ma petite soeur. Décrypte. Fais autre chose. Fais autre chose. Retire Lolo de ta bouche. On te parle tous les jours, tu dis que tu es un King Kong. On te parle tous les jours, tu dis que tu es un King Kong. Mais la personne qui subit et qui va subir. Toi, tu es en Italie, tu n'es pas touchable, mais ta maman. Et le problème, c'est que ta maman vient sur Facebook. Elle est venue sur Facebook au moins deux fois clasher les gens. Donc, elle est maintenant déclarée comme une blogueuse de Facebook. Donc, quand les gens vont... Moi, je n'ai plus le temps de m'attarder sur ta maman. Hein. Je n'ai plus le temps là. Ou dit que je vais aller commencer à dire que ta mère est montée, ta mère est descendue. Ça fait combien de temps? Moi, je n'ai pas ce temps-là. Hein. J'ai autre chose à faire. Mais je te donne juste le conseil que ce que tu veux faire là, que tu dis qu'on vient dénoncer. On dénonce quoi? Alors que toi-même, tu fais le sale. Tu as vu ton dernier live contre Lolo, tu as compris les propos que tu as tenus contre elle. Elle t'a fait quoi de si grave que tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Mais attends. Tu ne peux pas t'acharner sur quelqu'un comme ça des années et des années. C'est inadmissible. C'est inadmissible et inconcevable. Tu ne peux pas t'acharner sur quelqu'un et on va te laisser faire. À un moment donné, il faut arrêter. Et tu inventes des choses. La dernière fois, tu as dit qu'on voulait empoisonner ta mère. Maintenant, ce n'est plus qu'on veut empoisonner ta mère. C'est qu'on veut kidnapper ta mère. On va kidnapper ta mère pour prendre quoi? Pourquoi tu crées le buzz autour de ta maman pour te faire voir? Pourquoi tu crées le buzz autour de ta maman pour te faire voir? Il y a quoi? Pourquoi tu crées le buzz autour de ta maman pour te faire voir? Pourquoi? Tu ne peux pas laisser la femme là tranquille, là où elle est là dans ses problèmes. Hein? Je suis là, je suis ici à 21, je montre que, il y a les terrains à vendre ici. Non, tu ne me contactes pas pour dire que ma Dorcas, pardon, je veux même 100 mètres carrés qui peut faire quelque chose à ma maman. Ça ne t'intéresse pas, hein? Ça ne t'intéresse pas. Les gens me contactent, ils prennent les terrains. Toi, ça ne te concerne en rien. Ce qui te concerne, c'est venir insulter sur Facebook.
alors que ta maman a les problèmes. Tu as déménagé ta maman de la maison de là où la cousine de Lolo, où c'est la copine du frère de Lolo. Maintenant, là où ta maman est partie, on connaît déjà, ils connaissent déjà là où ta maman. Parce que le jour que il paraît que le jour que ta maman déménageait, ils ont suivi ta maman dans la nouvelle maison. Tu vas mener ta maman où maintenant? Tu vas maintenant amener ta maman où? Hein? À la lune là. Tiens, il y a les faux profils à Facebook qu'on ne connaît pas. Hein? Et ta maman n'a pas les moyens de sa politique au Cameroun. Hein? Les faux profils que tu vois là, on ne sait pas qui est derrière. Tu ne connais pas qui soutient Lolo. Et jusqu'où ces gens-là peuvent aller? Laisse ta maman en dehors des bêtises de Facebook. Qui derrière Lolo? Flore t'a parlé. Même Lily de la Tour, qui était ton supporter numéro 1, s'est désolidarisé de toi à cause de ça. Que passe à autre chose. Non. Tu dis que c'est sur Lolo que tu vas rester. Tu décides de rester sur Lolo. Ok? Tu assumes les conséquences. Et tu arrêtes de crier mon nom sur Facebook. Tu décides de t'attaquer aux gens, comme tu fais là. Parce que tu dis que jusqu'à tu donnes rendez-vous de bagarre à Lolo au restaurant Bantou. Vrai. Laissons que les histoires qu'on parle que Facebook. Si tu vois Lolo assise, tu parles à attaquer Lolo. Attends, disons la vérité. Hein. Toi, Nicole, tu passes à Paris là-bas, tu vois Lolo assis. Tu as cœur pour aller l'attaquer. Faut pas que Facebook nous donne le courage de raconter n'importe quoi. Parce que tu as promis, c'est là que tu devais me faire arrêter ici à Douala. Tu as tout dit de moi. Que tu devais me faire arrêter à Douala. Que tu avais les colonels, tu avais les qui. Tu as raconté plein de choses que tu allais me faire ici à Douala. Je suis déjà combien de mois à Douala? Plus de 4 mois que je suis à Douala. Me voici à Douala depuis 4 mois. Je suis toujours à Douala. Donc ne viens pas sur Facebook promettre ce que tu ne peux pas faire. Fais ton blogging. Il y a l'autre, la lionne et toi. Qui vous attaquez aux gens. Moi, je laisse. Parce que je suis ce que je suis. Mais quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être un endroit que tu es géolocalisable comme la lionne est dans une boutique là-bas. Qu'on connaît la boutique, là où elle travaille. Elle s'attaque aux gens sur Facebook. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. J'ai dit ça combien de fois? 3 fois. De nos jours, tu ne t'attaques plus aux gens comme ça là. Avant de t'attaquer à quelqu'un, il faut savoir là où tu as mis les pieds. Avant de t'attaquer à quelqu'un. Le dos est mauvais. Et les faux profils, on ne sait pas qui est qui derrière les faux profils. Crée ton blog. Ta maman va. Elle va être filmée partout ici. Partout ici, là, tu ne vas rien faire en dehors de crier sur Facebook. Tu ne feras rien. Arrête de te mentir. Je ne sais pas les qui te mentent. Tu te rappelles qu'on est venu te choquer dans ton live. Oh, Dorcas, oh, on va l'arrêter jusqu'à les gens te dire que non. Donne-moi ton numéro, je vais faire ceci. Donc, les gens là qui te choquaient là depuis, ils ne me voyaient pas. Voilà. Pour venir m'arrêter. Je pars, je dis que je suis à tel endroit. J'attends qu'on vienne m'arrêter. Personne ne vient m'arrêter. Donc arrête de faire que les gens te vendent le rêve. Que les gens viennent te mentir partout en te racontant du n'importe quoi. Arrête. Si tu dis que tu continue une place. N'appelle plus mon nom dans tes lives. Parce que tout le monde t'a parlé sur Facebook. Arrête d'insulter le Flore t'a parlé. Lily Delatour t'a parlé. Moi, je t'ai parlé. Tu as dit que non. Il faut que tu combattes le combat de compresseur.
tu viens trouver Compresso avec ses problèmes avec Lolo. Ça ne te concerne pas. Laisse Compresso et Lolo faire leur guerre. Tu n'es pas à Paris là-bas avec eux. Tu ne vis pas en France avec eux. Tu ne connais pas les choses qu'ils font là-bas ensemble. Moi-même, j'ai mis ma bouche entre Flor de Lille et Lolo. Ça m'a calé au cou aujourd'hui. Lolo a dit dans un live que tu cherches, vous cherchez d'abord quoi dans les problèmes des Parisiens. J'ai retenu ma leçon. Moi-même, j'ai mis ma bouche. Maintenant, aujourd'hui, j'ai retiré ma bouche. Retire ta bouche dans les choses des femmes là en France. Retire ta bouche là-bas. Si elle se mange, je donne ton avis. Si elle se mange, je viens donner ton avis. Viens dire ce que tu penses. Mais sors dedans. Sors dedans. Tu as compris avec quoi? Sors dedans. Les filles de Mbengla, surtout les filles de France, les histoires là sont au-delà de ce que tu penses. Les conneries qu'elles font sur Facebook, elles entraînent les gens dans les bêtises. C'est au-delà de ce que tu penses. C'est les filles qui se connaissent. Nous autres, ce n'est que le virtuel. Mais c'est les filles qui se connaissent dans les choses de la France. C'est les filles qui se connaissent. Ça m'a calé au cou moi-même. Hein. Moi-même. J'ai mis mon soin en nous dedans. Ça m'a calé au cou comme ça là. Me voici, je cherche comment elle va enlever ma. Je cherche comment elle va enlever ma gueule dedans. Et si j'arrive? Non. Tu as vu comment je suis en secret sur Facebook? Je rase moi les murs. Ils me clashent même. Je dis que clashez-moi. Quand vous allez vous fatiguer, vous allez déposer mon nom. Et je sors moi dedans. Je n'entre plus dans ça. Que tu sors dans ça. Les gens là se connaissent. Sors dans ça. Laisse Compresseur et Lolo gérer les choses. Demain là, tu vas voir Compresseur et Lolo. Elles vont dire que jamais. Mais on a compris les gens qui ont dit ici que jamais. Le corps n'a pas chanté trois fois, ils étaient ensemble. Le corps n'a pas chanté trois fois. C'est jamais, c'est quand ça les convient. Quand tu entends, ils disent dans leur bouche jamais, c'est quand ça les convient. Le corps ne chante pas trois fois, elles sont déjà ensemble. Que tu as sort dans ça. Laisse Compresseur et Lolo gérer leurs choses. Tu n'étais pas au départ. Quand elles ont commencé, tu n'étais même pas là. Sors dans ça, tu les laisses gérer leurs bébés. Protège ta maman. Si tu as encore un peu d'amour pour ta maman. Si tu as encore un peu d'amour pour ta maman, protège ta maman. Tu laisses les vieilles pour là régler leurs problèmes. Ça ne te concerne en rien. Lolo ne t'a rien fait. Lolo ne t'a rien fait. Publier ta mère n'est pas un délit. Et toi-même, tu as reconnu dans un live que. Toi-même, tu as reconnu dans un live que c'est son faux profil. Matcha, c'est comment? Je suis en live. Hein? Toi-même de ta propre bouche, tu as reconnu dans un live que c'est le faux profil qu'il avait partagé et tu dis que c'est le faux profil de Lolo. Donc, c'est la même chose que tu m'as fait. Tu n'as pas la certitude, mais tu te lances à venir attaquer les gens. Tu as dit ça dans le live, que c'est le faux profil, un faux profil qu'il avait partagé et tu dis que c'est le faux profil de Lolo. Qu'est-ce qui te prouve que c'est le faux profil de Lolo? Tu as les garanties, tu as les preuves. Tu as les preuves, mais tu t'es levé, tu as commencé à l'insulter. Tu peux arrêter tout et tu sors dans ça. Ok? Tu peux arrêter tout ça. Fonyam Lolo Ndou. Les gars vont finir, ils vont maintenant monter ici. Ouais, c'est comment t'es. C'est maintenant là-bas. Maintenant, il y a Abomane.
Maintenant, il y a beaucoup de gars qui conduisent, ils achètent déjà. Avant, c'était même un moins cher. Jusqu'à. Ça, non. Très moins cher. Mais toi. Wow, mamba. Non, alors. Ton mot. Non, c'est normal. Un vrai bouchou de bonjour, non. Ah, papa, non. Salut, papa. Vous allez pas aller, moi, c'est ma fille. C'est comment, non, papa? Non, moi. Oh. Elle va s'en faire, elle fait les caprices.